Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue sur TV et Radio de vie. Nous sommes en direct, voilà. Donc, euh, il y a eu une série de questions et réponses. Père, nous bénissons ton nom pour ta fidélité, pour ton amour. On nom merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Merci pour ta parole qui nous éclaire, On nom de Yeshua. Amen. Voilà, donc nous sommes sur euh, Apocalypse chapitre 6, euh, l'ouverture du troisième sceau. Donc, on a vu que Jean avait reçu l'invitation dans Apocalypse 4 euh, de se rendre au ciel. Et là, il arrive, il a vu les anges, les quatre êtres vivants qui adoraient le Seigneur ainsi que les, quatre, les 24 anciens. Dans le chapitre 5 il voit quelqu'un sur le trône avec un livre dans sa main droite et on demande, à ce que, on demande si quelqu'un pouvait, s'il y avait quelqu'un qui était digne pour prendre ce livre et rompre ses seaux et faire la lecture pour découvrir, révéler à l'humanité le futur, son futur. Il n'y avait personne qui pouvait le faire, personne n'en était digne. Jean a beaucoup pleuré. Il a pleuré parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, tout à l'heure, parce qu'il était dans l'angoisse, parce qu'il était, euh, mes amis, euh, vraiment triste, hein, parce qu'il s'est rendu compte que ben, son avenir totalement était compromis, parce que tout était dans ce livre. Il fallait qu'il euh, sache, qu'il qu apprenne, qu'il comprenne ce que l'avenir lui réservait, parce que dans le chapitre 4, on lui a promis de lui révéler les choses à venir. Et là, l'agneau arrive, il prend le livre. Et il ouvre, dans le chapitre 6, justement, là c'est l'ouverture des sauts. Et puis, on a vu le premier l'ouverture à l'ouverture du premier saut. il va y avoir le premier cavalier assis sur un cheval blanc, c'est l'Antichrist qui part pour conquérir en tant que conquérant. Dans, lors de l'ouverture du deuxième saut, on nous parle de la guerre et tout ça. Et l'ouverture du troisième seau, ben c'est une suite logique. Hein? Et là, on nous parle de quoi Au chapitre 5, on nous dit, et quand il eut ouvert le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens et vois. Je regardais et je vis un cheval noir. Ça commence bien. Et celui qui était monté dessus avait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et les trois mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait pas de mal au vin et à l'huile. Alors, qu'est-ce qu'un denier Et selon la parabole, n'est-ce pas, des, des mines, tout ça, et des gens qui étaient loués pour aller travailler dans un champ, selon cette parabole, eh bien, un denier, correspond, à l'époque, hein, correspondait, n'est-ce pas, au salaire, hein, à, correspondait à une journée de salaire. Voilà. Donc, euh, le denier correspondait au premier siècle à une journée de travail, à une journée de, euh, à un salaire d'une de, 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 journée, voilà. Donc euh, et puis euh, et euh, une mesure de blé hein, correspondait également euh, à, pour une personne qui mange de manière modérée euh, une mesure une mesure de blé correspondait à, à un repas quotidien, voilà. Donc on voit bien que euh, l'alimentation va être vraiment millimétré là, vous savez, c'est voilà, euh, et, euh, et ça ne va pas être évident. Donc euh, les gens vont avoir de quoi s'alimenter, et là, et euh, on nous dit et les trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait pas de mal au vin et à l'huile. Au vin et à l'huile. Et on sait très bien que c'est symbolique, hein, le vin, bien sûr, et, euh, correspond, selon les Écritures, à, à, à l'alliance. Hein, l'alliance, la vie, l'alliance. Voilà. Donc, euh, pendant ce temps de famine, l'alliance de Dieu sera toujours là. L'alliance avec le Seigneur. Et euh, parce que Dieu veut sauver. Et la parole nous dit que le, le, le vin réjouit le cœur. Et l'huile, on le sait tous, représente bien sûr euh, l'esprit. Donc, pendant cette grande famine, mes amis, l'esprit de Dieu. Et on va toujours opérer parce que Dieu veut sauver les hommes. Dieu veut sauver les gens. voyez Il y aura l'onction parce que la parole nous dit que l'onction, hein, littéralement, l'huile brisera le joug. L'huile, dans Esaïe 10, 27. Le joug sera brisé par l'huile. Alors, écoutez bien ici. Et euh, c'est quand même assez paradoxal parce qu'on nous dit ici que... Et, euh, et euh, comment dire Qu'il y avait une balance dans ça. Le, le, le troisième cavalier avait une balance dans sa main. Alors quand on vérifie le mot balance ici, le mot balance signifie aussi euh, joug. Vous voyez, joug. Et là, on a ici le joug et on a aussi en même temps l'huile. Vous voyez? Et, euh, et euh, pourquoi? Parce que eh bien, le joug nous dit Ésaïe 10, 27, on va le lire. Ésaïe euh, chapitre 10, verset 27. Voilà. On y est presque. Et, euh, et en ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et l'onction, ou encore littéralement l'huile. Et l'huile hein, euh, euh, brisera le joug. Et l'huile brisera le joug, rompra le, le joug. Donc voilà pourquoi on a dit à ce cavalier de ne pas toucher au vin ni à l'huile. Pourquoi Parce que... Ah ben cette balance-là, en fait, c'est un joug. Voilà. C'est un joug. C'est-à-dire, cette famille va être un joug sur les gens pendant quelques temps. Vous voyez, il y a une suite logique. Il y a eu, il y a d'abord le premier cavalier, le cheveu blanc, le, chevo, le cheval blanc, pardon, le cheval blanc, qui vient pour conquérir. Deuxièmement, euh, le, le, on nous parle du deuxième cavalier avec, euh, monté sur un cheval roux, rouge, un rouge feu. Et euh, c'est le sang. Et là, c'est la guerre. Et troisièmement, on nous parle du troisième cavalier qui lui vient. Pourquoi Pour amener la famine. Donc, vous voyez bien qu'à euh, chaque fois qu'il y a la guerre, hein, la guerre, une des conséquences de la guerre, c'est la famine. Voilà. Il y, a la, il, y a, il y a la mort, bien sûr, mais c'est la famine aussi. Les gens vont mourir de famine parce qu'ils ils, n'ont plus le temps pour cultiver, hein, pour travailler. Ils vont devoir se, se cacher et... Euh, et, et ben, c'est la famine. Regardez dans l'histoire juive, il y a eu beaucoup de cas de famine dans les Écritures, notamment. La première fois dans les Écritures où il a été question de la famine, ben, c'est avec l'histoire de d'Abraham. De, 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 voilà. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 12 verset 10. Mais la famine étant survenue dans le pays, Abraham descendit en Égypte pour se retirer, car la famine était grande dans le pays. Donc on voit bien qu'à cause de la famine, hein, les gens se déplaçaient. Hein. Les gens se déplacent. Voilà, donc euh, et quand la famine, quand elle frappe un pays, quand elle frappe une, une nation, une ville, un continent, et bien il va y avoir des déplacements. D'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement avec cette, ces vagues migratoires. Hein, euh, vous voyez la guerre qu'il y a en Syrie et on nous parle des cas de famine. Il y a plus de plus en plus de cas de famine et euh, des gens qui sont affamés et parce qu'ils sont affamés, et bien, ils sont euh, prêts à, 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 à tout, à tout pour pouvoir trouver à manger. Voilà, pour trouver à manger. Et il y a euh, des cas dans la Bible où des gens, euh, des femmes à cause de la famine, étaient obligées de manger leurs propres enfants à cause de la famine. Et c'est terrible, mes amis. Et euh, la famine, ce qu'elle peut provoquer chez quelqu'un. Vous savez, quand euh, nous qui sommes dans les pays occidentaux, il y a l'abondance, tout ça, la nourriture. Mais quoique même dans cette abondance-là, on va rencontrer quand même des familles qui sont affamées, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais cette famine euh, prédite dans les Écritures, euh, mes amis, euh, va vraiment, vraiment frapper les nations. D'ailleurs, beaucoup de, 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 de gouvernements, beaucoup de scientifiques prédisent, mes amis, cette famine qui, qui va frapper les nations, parce que vous savez que nous sommes actuellement à près de 7 milliards d'individus sur Terre. Et il faut trouver, mes amis, de quoi nourrir cette grande population humaine. Et ça pose un problème, la croissance exponentielle, mes amis, euh, et, euh, des naissances, tout ça, des hommes, des femmes sur Terre, eh pose un problème alimentaire. Effectivement, il y a une crise alimentaire euh, qui est prévue au point où euh, beaucoup de laboratoires, beaucoup euh, euh, de sociétés, de groupes, euh, mes amis, euh, commencent à étudier, hein, euh, à réfléchir sur et, euh, le, de, la nouvelle façon euh, d'alimenter les gens, de nourrir les gens, de se nourrir, et euh, les nouveaux produits tels que et, euh, les... les, les les insectes, donc on propose de plus en plus aux gens euh, voilà, euh, la nourriture à base d'insectes, de plus en plus. Et euh, pourquoi? Parce que ben, euh, il y a beaucoup de bouches à nourrir. Voilà, donc euh, vous savez qu'à cause de la famine, à cause de la surpopulation euh, mondiale hein, de, des hommes, eh ben, il y a beaucoup, beaucoup de produits chimiques qui sont utilisés pour, euh, ben, pour nourrir hein, rapidement les gens, parce qu'il faut que ça pousse vite, il faut nourrir rapidement les gens les poulets comme vous le savez les, les, les animaux des poules tout ça des poulets des coqs tout ça qui sont nourris avec de la farine. on parle de la maladie de la vache folle qui, qui, qui commence à revenir. pourquoi? parce que ben, mes amis à cause de, de, de cette génération qui veut que tout se fasse tout de suite tout va vite ce que j'appelle la génération mac drive c'est-à-dire les gens c'est la génération du prêt à porter. Hein, avec le, les micro-ondes, avec euh, les Mac Drive, tout ça, les gens, ils veulent tout, tout de suite. Et bien, il faut produire vite pour satisfaire, répondre aux besoins, aux exigences de cette grande population humaine. Alors, euh, bien sûr, on va, n'est-ce pas, donner de la farine euh, aux animaux qui sont, selon euh, leur créateur, notre Dieu, herbivores. Et on va leur donner de la farine. Donc, ne soyez pas étonnés s'il si y a beaucoup de problèmes de santé, de cas de cancer, voyez. Et avec tous ces produits chimiques, on est gavé, on est comme des oies aujourd'hui. On nous gave, on nous fait manger n'importe quoi, on nous fait boire n'importe quoi, parce qu'il faut produire, il faut, faut répondre aux besoins des, des, des hommes. Donc voyez que cette famine, mes amis, est en train de, de prendre de l'ampleur. Hein. Il y a eu, il y a quelques années de cela, il y a une crise, des révoltes, notamment en Haïti. Euh, ou des enfants, euh, on a vu des images, des enfants qui mangent de la, de la, de la, de la terre, hein, de l'argile, hein, mélangée avec du sel. On a vu en Égypte également la crise, euh, euh, mes amis, euh, du pain. Les gens, euh, ils se battaient pour avoir du pain parce qu'il y avait beaucoup de manifestations. Et euh, on voit vraiment que notre génération, mes amis, euh, connaît beaucoup, beaucoup de problèmes liés euh, à l'alimentation, donc à la crise alimentaire. Et on a vu une deuxième famine dans les Écritures avec l'histoire de Joseph en Égypte, n'est-ce pas? Donc, et dans tout d'autres pays, comme, comme le, le pays de Canaan, Jacob était obligé de descendre en Égypte pour euh, s'alimenter, pour trouver à manger. Et euh, voilà. Et, euh, et d'ailleurs, juste une parenthèse, je voudrais vous dire que dans les prochains jours, si Dieu le, si Dieu le permet, on va faire un enseignement sur la destinée prophétique euh, de, de l'Afrique. On va vous montrer dans les Écritures. Que l'Israël, mes amis, euh, et, euh, en tant que nation, est né en Afrique. L Israël a aussi des origines africaines. Et euh, on va vous montrer que Moïse était avant tout un Africain. Il est né en Afrique. Il a grandi en Afrique jusqu'à l'âge de 40 ans. C'est un Africain. Voilà. Donc, euh, qui a épousé une femme éthiopienne, une africaine. Il y a beaucoup de choses. Donc, on va développer ces choses-là. Et. Euh, donc, euh, et euh, donc je ferme la parenthèse. Vous voyez, frères et sœurs, il y a eu une autre famine dans les Écritures où deux femmes vont, n'est-ce pas, et euh, à cause de la famine, se promettre de manger euh, respectivement euh, leurs enfants. Et euh, donc, euh, ils ont, elles ont mangé euh, l'enfant de l'une d'elles. Et quand il fallait maintenant manger le deuxième enfant, celui de l'autre, eh bien, non, ce n'était pas possible parce que sa maman a changé d'avis. Et euh, donc, il y a eu beaucoup de cas de famine, et notamment dans. On va prendre deux rois, euh, chapitre, je crois, chapitre 7. Cette, cette grande famine avec euh, à l'époque d'Élysée. Deux rois. Voilà. Au chapitre 6, d'abord. Et il arriva après cela que Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans la Samarie. Ils l'assiégèrent tellement qu'une tête d'âne se vendait quatre pièces d'argent, et le quart d'un cab de fientes de pigeon, cinq pièces d'argent. Et comme le roi d'Israël passait sur la muraille, une femme lui cria. Ô oh, roi mon seigneur, sauve-moi. Il répondit, si Yahweh ne te sauve pas, comment pourrais-je te sauver Serait-ce avec le produit de l'air ou de la cuve Serait-ce avec le produit de l'air ou de la cuve Il lui dit encore, qu'as-tu elle répondit, elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils et mangeons-le aujourd'hui et nous mangerons mon fils demain. Ainsi nous avons fait bouillir mon fils et l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit Donne ton fils et nous le mangeons, mangerons. Mais elle a caché son fils. Dès que le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements et passa sur la muraille. Le peuple vit qu'il avait en dessous un sac sur son corps. Voyez, il y avait tellement la famine qu'il mangeait même les, mes amis, euh, euh, il mangeait même les déjections de, de, de euh, les déchets de, 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 de des animaux, des pigeons. Voyez et euh, et c'est terrible de voir comment, mes amis, Dieu pouvait frapper les hommes ici à cause de leur péchés. Et il y a eu aussi d'autres famines dans les Écritures, notamment à l'époque d'Élie. Mais il y a eu une autre famine quand Israël a été, Jérusalem notamment, assiégé par le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, pendant trois ans. Personne n'entrait à Jérusalem, personne n'en sortait. Donc il n'y a pas eu de marchandises qui étaient... Euh, introduit euh, dans cette ville. Et on nous dit quoi ben On nous dit, euh, Jérémie nous dit dans Lamentation de Jérémie, que les femmes juives, malgré leur tendresse, faisaient cuire leurs propres enfants et les mangeaient. Vous vous rendez compte, mes amis, les femmes juives faisaient cuire leurs propres enfants et les mangeaient. Pourquoi Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de famine, une grande famine dans ce pays. Et, euh, et c'est ce que les Écritures, justement, nous disent. Au chapitre 10 de lamentation de Jérémie, chapitre 4, verset 10, chapitre 4, verset 10 de lamentation de Jérémie, qu'est-ce que la parole dit Les mains des femmes, naturellement tendres, font cuire font cuir leurs enfants. Ils leur servent de nourriture dans la ruine de la fille de mon peuple. Et Jérémie a vu la captivité de, son, de, de, de Judas. Il a vu. Euh, comment dire la, le siège de Judas pendant trois ans il a vu ses propres n'est-ce pas compatriotes ses propres sœurs euh, israélites qui à cause de la famine malgré la tendresse de leurs mains prenaient leurs propres enfants les fruits de leurs entrailles de leurs souffrances ces enfants qu'elles ont portés pendant neuf mois ces femmes les prenaient les faisaient cuire et les mangeaient c'est-à-dire quand il y a la famine quelque part il y aura il y a du can cannibalisme tout ça et je crois que c'est ce qui va se passer également, ce qui se passe déjà présentement dans certains pays où, à cause de la famine, les gens se tuent, et les gens se mangent. Vous me direz, mais en Europe on n'est pas concerné, en Occident on n'est pas concerné, aux États-Unis, mes amis, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Le troisième cavalier va provoquer cette grande famine, mes amis, et euh, il y a certains endroits où les gens auront juste de quoi manger, euh, soulager un peu leur leur faim et euh, apaiser un peu leur faim, euh, de, 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 juste. Euh, quelques, pendant quelques heures, mais ça ne va pas être évident, mes amis. Ça ne va pas être évident. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne pouvez pas vous rendre compte si vous n'avez jamais été exposé à la famine. Ce que ça peut faire. Souvenez-vous, quand vous rêvez le matin, Et pour beaucoup, la première des choses qu'ils font, c'est d'aller dans la cuisine, prendre un petit, euh, une petite tasse de, de café, prendre un petit verre d'eau, prendre un petit verre de, 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 de lait, de, 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 de jus. À midi, il faut un petit repas copieux. Le soir, n'est-ce pas? Euh, vers le soir, un petit goûter, et puis le soir, un petit repas, tout ça, et euh, tous les jours. Eh bien, dans les temps à venir, ça ne va pas être possible. Ça va être, mes amis, de plus en plus compliqué. Et je vous assure, il faut vraiment que, que les gens se préparent. Et. Euh, et alors, il euh, y en a qui tombent dans les travers hein, parmi les chrétiens évangéliques qui vont jusqu'à se dire ben, nous allons commencer à cultiver euh, pour euh, euh, ou encore encore acheter des boîtes de conserve pour pouvoir les mettre de côté. Sait-on jamais. Comme ça, on aura de quoi s'alimenter, mes amis. Attention, je ne dis pas que faire de l'agriculture, tout ça, de l'élevage, c'est pas c'est mauvais. Vous pouvez le faire parce que c'est c'est bon parce que Dieu bénit euh, ce travail aussi. Et, euh, mais la parole nous dit que nous avons besoin du pain quotidien. C'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Et euh, voilà, Donc, nous croyons aussi que nous euh, nous, allons, nous allons partir, bien évidemment, parce que Dieu ne va pas exposer son ecclésia à ce genre de fléau. Et euh, quoique certains chrétiens actuellement, dans certains pays où la famine sévit, souffrent beaucoup, meurent même. Et euh, voilà, en tout cas, on va vous montrer quelques images de la famine. Voilà. Et euh, quelques images, si c'est possible, on voit Et les statistiques. Hein, euh, voilà. Donc, euh, la famine, donc les guerres amènent les fa la famine. Et euh, voilà, quand on voit cet enfant-là, je pense que les gens chez eux voient cette image. Et euh, quand on voit cet enfant, il peut être le mien, il peut être aussi le vôtre. Est ce que vous, vous accepteriez de voir vos, votre bout de chou être dans cet état, cherchant à manger dans le sol? On va montrer d'autres images. Regardez cet enfant. Là, ce n'est pas en Afrique, et euh, je crois que c'est au Moyen Orient, qui va chercher de l'eau, hein ça c'est en Afrique, mais on, on revient sur l'image image euh, voilà, précédente, donc celle ci, et, euh, de l'eau, mais de l'eau euh, impropre à la consommation certainement rempli de microbes. Il y a qu'à voir l'état, n'est-ce pas, des bidons que cet enfant utilise. Hein. Mais cet enfant peut être aussi le mien, ce bout de chou, qui doit peut-être avoir, quoi, 10 ans. Voilà. Et il est obligé de faire des kilomètres parfois à pied pour aller chercher de l'eau. Et ça, c'est encore rien, ce qui va se passer. On continue voilà, tous ces bouts de choux, tous ces enfants de 6 ans, 7 ans, 5 ans, 4 ans, comme vous pouvez le voir là, qui font la queue pour aller chercher de l'eau. Là, nous sommes en Afrique. Alors, quand on est en Occident, on gagne un tout petit peu sa vie, on gagne bien sa vie. Et on n'a pas l'impression que beaucoup de peuples dans les nations souffrent, qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'eau, qu'ils meurent de soif, hein, qu'ils meurent de, de faim. Et on n'a pas non plus à cœur d'aller soutenir les missions, soutenir euh, et mes amis euh, certains, euh, les missions, les pauvres, les, 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 les pauvres, les veuves, les orphelins. Aller voir ce qui se passe ici et là pour faire quelque chose de sa vie, pour rendre service aux autres en témoin de l'amour. On continue. Regardez ici, nous avons, nous sommes toujours en Afrique, la distribution de la nourriture. Regardez cette longue queue, ces femmes qui sont obligés de faire des kilomètres pour aller chercher à manger afin de nourrir euh, d'abord leurs enfants. Hein, il y a d'autres images de choc, on va continuer. Voilà, toujours la famine, des guerres, des déplacements. Hein, donc euh, on continue. Guerre, déplacement, famine. Regardez euh, l'état de ces personnes, cet enfant, ces enfants. Regardez, ces enfants peuvent être les nôtres. Donc on voit déjà que le monde est frappé déjà bien comme il faut, par la famine. Et on ne se rend pas compte, pour que ces enfants se retrouvent dans cet état, c'est qu'ils ont vraiment manqué, ils manquent vraiment euh, de vitamines, de la nourriture euh, riche hein, en, en, en vitamines pour, euh, bah pour, pour la croissance, hein, la croissance des os. Euh, voilà, pour le développement, tout simplement. Et euh, on continue. Regardez cet enfant, à cause de la famine, regardez l'eau qu'il est obligé de boire. Regardez la couleur de l'eau en question, remplie de microbes. Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et cet enfant, quel âge ce bébé a Ce petit, bébé, ce petit bout de chou. Il ne doit pas avoir plus de 5 ans. Pas plus de 3 ans. Et regardez cet enfant qui ne comprend rien. Dans quel monde devait, doit se dire cet enfant Dans quel monde vit-on Dans quel monde je suis arrivé Regardez sa poitrine, regardez son corps. Complètement maigri. On continue. Voilà ouais, l'état de l'enfant. Toujours. Regardez ces, 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 ces personnes, ces individus, dans quel état euh, euh, ils se retrouvent. Et nous, on a quoi? On a tout ce qu'il faut camembert et euh, euh, toutes sortes de fruits et euh, que l'on jette parfois parce qu'il y a de l'abondance. Et on ne sera même pas compte que jeter peut aussi être un péché. Jésus, quand il a multiplié du pain, il n'a pas dit aux gens de jeter il a dit de conserver ce qui est resté de garder ce qui est resté. Notre Dieu est, 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 tient à ce que nous soyons des bons gestionnaires. Il ne veut pas du gaspillage. Et chaque année, dans nos pays modernes, dans nos pays riches, c'est des tonnes et des tonnes, mes amis, de denrées alimentaires qui sont jetées à la poubelle. Et encore, quand on les jette dans les, pou dans les poubelles, certains magasins, certains, mes amis, euh, certaines grandes surfaces, mes amis, euh, ne veulent même pas que leurs employés aillent se servir dans ces poubelles parce qu'ils estiment que c'est est, est pas bon euh, euh, pour, leur, pour, je sais pas, pour leur image ou pour... Euh, voilà. Donc ils préfèrent qu'ils soient jetés plutôt que consommés alors que ces denrées euh, euh, ne sont pas forcément, euh, comment dire, euh, pourries. Euh. Leurs dates d'expiration ne sont pas forcément finies, terminées, mais voilà. C'est quand, quand même grave, c'est quand même la confusion. On est vraiment dans un monde injuste. Et on continue. Regardez l'état de ces enfants. Allez leur dire que, mes amis, vous voyez, il y a des coins, il y a des pays où il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de famine. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrance. Et euh, allez dire à ces enfants qu'il y, y a des endroits où les gens mangent à satiété, où les gens euh, jettent la nourriture tous les jours, où les gens ont à manger toute la journée, et, et, euh, et puis euh, ils ne vont pas comprendre. Qu On continue Voilà ces enfants qui sont là, qui demandent à manger, qui commentent. Voilà, donc euh, il y a d'autres images hein, par rapport à la Deuxième Guerre mondiale des gens qui étaient exposés à la famine et qui sont qui étaient complètement maigris et qui meurent qui meurent il y a des images notamment qu'on va vous montrer où des enfants euh, à cause de la famine se retrouvent euh, seuls mourant de, en train de mourir euh, et euh, alors qu'ils ne sont pas encore morts et on voit des, 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 des charognards on voit des des, 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 comment dire, des aigles des vautours pardon qui, qui sont là en attente hein, pour pouvoir euh, les, les manger donc, euh, je crois qu'on peut trouver ce type d'image-là. Euh, voilà. Donc, euh, c'est grave de... Vous voyez, mes amis, Yeshua a prédit ces choses. Ce n'est pas Dieu qui est à la base de cela. Non. C'est à cause de la rébellion de l'homme, à cause de, euh, de, la, de la cupidité hein, de certains. Rappelez-vous bien que, sachez que c'est 5%. 80% de l'économie mondiale, 80% de la richesse mondiale, n'est-ce pas 80% hein, hein, euh, de la richesse mondiale et, euh, et, euh, est détenu par 5% de la population. Donc, c'est juste une minorité d'hommes et de femmes extrêmement riches qui possèdent 80% de la richesse mondiale. Vous voyez oui, l'injustice la, dans laquelle notre monde se trouve. Et quand on voit ces soi-disant pasteurs qui amassent pour eux, qui prennent toutes ces dîmes, qui prennent toutes ces offrandes et qui ne vont même pas faire d'action sociale, qui ne vont même pas nourrir les orphelins, nourrir les veuves, je ne dis pas que nous allons finir la, la souffrance de l'humanité, mais au moins faire du bien à son entourage, faire du bien aux, aux autres, aider les autres. Aider ceux qui sont dans les besoins. On n'est pas là pour encourager bien sûr la passivité, parce qu'il y en a qui sont passifs, qui ne veulent pas travailler, qui veulent être nourris par les autres. Ce n'est pas, euh, euh, on encourage pas cela bien évidemment, mais nous voulons aider ceux qui sont vraiment dans les besoins, les mettre sur les rails afin qu'ils puissent s'en sortir par eux-mêmes. leur donner les moyens pour qu'ils puissent s'en sortir. Voilà. Et c'est aussi à cela que nous sommes appelés nous en tant qu'Église. Et le Seigneur a dit, donc pendant que l'équipe cherche ces images là, dans Luc chapitre 21, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Et euh, il dit Quand vous entendrez au verset 9 parler de guerre et de soulèvement, ne vous épouvantez pas, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines et des pestes. Il y aura des choses terribles et de grands signes dans le ciel. Donc le Seigneur a prédit des famines. Et il a prédit les famines, et on a vu qu'effectivement, à l'ouverture du troisième saut il va y avoir le troisième cavalier qui va avoir un joug, une balance, un joug qui va mettre sur les gens. Ça va être, les gens seront obligés, à cause de l'accomplissement de cette prophétie, à cause de la rébellion des hommes, ils seront obligés de se contenter seulement de ce minimum-là, et ce ne sera pas suffisant. Un denier euh, par jour, ce ne sera pas suffisant, n'est-ce pas et euh, une mesure de, de blé par jour et, euh, ne peut pas véritablement, euh, mes amis, euh, nourrir totalement quelqu'un. Donc, ils vont vraiment se contenter d'un minimum et ce ne sera pas évident. Et beaucoup, beaucoup vont mourir à cause de la famine. À cause de la famine. Et ça ne va pas être évident. Et c'est pour cela, mes amis, nous devons vraiment nous préparer. Nous devons euh, avertir les uns les autres, préparer euh, nos cœurs. Euh, nous devons préparer nos cœurs pour le retour du Mashiach. Voilà, donc, euh, est-ce qu'il y a d'autres images là, mes amis, par rapport à la famine? Et euh, toujours dans Matthieu, nous sommes dans Matthieu, pardon, chapitre 24. Et euh, le Seigneur dit, et, euh, au verset 8, « Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs, toutes ces choses, guerre, famine, troubles, tremblement de terre, Voilà. Et il dit, au verset 7 de Matthieu 24, 6, pardon, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élevera contre une autre nation, et un royaume contre notre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et de tremblement des tremblements de terres en divers lieux. Vous voyez, les famines sont les conséquences des troubles, hein, des guerres. Et c'est ce qui se passe. Dans les pays où il y a des guerres et où il y a des problèmes, et bien les gens se retrouvent affamés, les gens se retrouvent complètement démunis, hein, dans la pénurie, tout ça. Et il faut, mes amis, beaucoup prier pour, pour ces hommes et ces femmes qui se retrouvent ainsi, euh, euh, qui se retrouvent dans euh, ces problèmes, dans ces cette, euh, cette difficultés. Alors, personne ne veut mourir. Rappelez-vous bien ces euh, voyageurs je crois, dans les années 40, 30 ou 40 ou 50, je ne sais plus, et, euh, qui, ont, qui avaient pris l'avion, un avion pour aller quelque part. Et leur avion a, a eu une panne hein, et un problème technique. Et ils ont fait un atterrissage forcé et, euh, dans, les, dans des montagnes. Et beaucoup étaient morts. Et les, les autres, ceux qui étaient vivants, pour survivre, ben, ils ont dû, euh, mes amis... Euh, euh, manger les cadavres de leurs compagnons. Donc pour vous montrer que quelqu'un qui est affamé, c'est quelqu'un qui, qui ne va plus raisonner. Parce que personne ne veut mourir. Vous savez, quand on fait des jeûnes, parfois euh, à la fin de, du jeûne, humainement parlant, on a hâte de manger parce qu'on est fatigué et euh, parce qu'on est épuisé. On n'a plus de force. Et si tu n'as plus de force, si tu es affamé, eh bien, tu ne réfléchis plus. Voilà. Donc là, vous avez des images qui sont là. Et là, nous sommes en Europe, hein. je crois que c'était euh, voilà, lors de la deuxième guerre mondiale, les gens affamés, et, et c'est ce que beaucoup de dictatures font également, ils vont volontairement affamer leur peuple pour pouvoir mieux les contrôler. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays où il y a la dictature. Regardez notamment en Corée du, du Nord, il y a eu beaucoup de gens qui étaient morts à cause de la famine. Tout ça, à cause de quoi? Ben à cause de la dictature. Voilà, donc une des conséquences de euh, les famines ne sont, ne sont pas toujours les conséquences d'une guerre ou des guerres, mais elles peuvent être également des conséquences hein, euh, euh, d'une dictature, d'une injustice sociale. Voilà. Voilà. Donc euh, d'une mauvaise répartition des biens, voilà, de la, de, de la richesse. Alors, ici nous avons des enfants européens. Hein, en Grèce, donc ce sont des Grecs, des enfants européens, frappés par la famine, et hein, donc ça c'est je crois que c'était lors de la deuxième guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est quand même terrible. Qui accepterait de voir ces enfants, ces bouts de choux se retrouver comme ça? Là qui Qui pleure après leur mère pour avoir de quoi s'alimenter et leur mère qui le regarde complètement démunie, hein, euh, dépassée? parce qu'elles n'ont rien à leur proposer. Et elles voient mourir leurs propres enfants. Et pour une mère, voir son enfant mourir de faim pour un père, c'est la chose la plus horrible que l'on puisse vivre. On continue Voilà cet enfant qui est là tout seul, hein, dans un pays désertique, certainement en Afrique, en Éthiopie, euh, je pense, et qui se retrouve là sans rien à manger. On continue. Voilà, d'autres souffrances. Et parce que ces enfants ne sont pas, parce qu'ils sont sous-alimentés, et, euh, et ben ils, ils, ils n'ont pas suffisamment de, de, de vitamines pour pouvoir se développer. Ben il y a beaucoup de carences, hein, donc euh, ils ont beaucoup de carences. Ils développent, ils développent beaucoup de maladies, comme vous le savez. Donc euh, une bonne alimentation peut aussi euh, prévenir euh, certaines maladies. Voilà, donc euh, certaines pathologies. On continue. Voilà cet enfant qui est en train de mourir à côté de sa mère qui est totalement impuissante à cause de la famine. Et nous, nous sommes chrétiens en Orient, en Occident, enfin en Occident, en France, en Europe, aux États-Unis. Nous sommes chrétiens et l'on se fait la guerre euh, charnellement mes amis, alors qu'il y a vraiment des souffrances. Je ne dis pas qu'on va tout finir. On va finir dans toute la souffrance de la Terre, toute la misère des hommes. Ce n'est pas ça. Mais nous devons prendre conscience de ce qui se passe ici et là. Prendre conscience qu'il y a vraiment des souffrances. Et c'est pour cela que je voudrais, pendant cette émission, pour ceux qui, vont, euh, ceux qui la regardent, regardent ce soir et d'autres qui vont la regarder plus tard. Je voudrais vraiment faire un appel aux frères et ceux qui ont des moyens, et pas forcément importants avec les peu que vous avez, c'est de vous engager aussi dans tout ce qui est œuvre sociale pour venir en aide aux uns et aux autres. Et également faire un appel aux dirigeants hein, qui nous dirigent, de pouvoir prendre avec les moyens que vous avez, avec l'or, l'argent, les diamants que vous pouvez avoir, et ne serait-ce aider vos populations. Aidez vos populations parce que ces hommes et ces femmes peuvent, ces enfants peuvent être vos enfants, ces mères, ces, ces femmes peuvent être vos sœurs, vos mères, vos grandes sœurs, ces hommes peuvent être vos pères, vos grands-pères, tout ça. Aidez les populations. Ne cherchez pas à vous engraisser, n'est-ce pas, en tant que président, en tant que premier ministre, député, sénateur. Pensez aux autres parce que vous n'allez pas emporter tout cet argent à la tombe. Voilà. C'est sorti. On continue, mes amis, à montrer ces, certaines images. Cet enfant avec euh, le, le, le vautour à côté là. Voilà, regardez-moi l'état de cet enfant. On continue, cet enfant avec le vautour là. Il y avait, avait l'image là. Oh, Seigneur, sauve-nous. Là, nous sommes en Asie. Des enfants, certainement en Corée, si je ne me trompe pas, en Corée du Nord, à cause de la dictature. Hein? Il n'y a pas forcément la guerre, mais à cause de la dictature, voilà la souffrance. Voilà cette dame qui est en train de mourir. Et les gens un peu plus loin là-bas, ils sont complètement indifférents. Elle est en train de mourir parce qu'elle parce qu est affamée. Vous vous rendez compte? Et quel le Dieu qui est juste, quel, quel, quel doit être, mes amis, euh, le regard, quel est le regard du Seigneur vis-à-vis -vis de tout ça ben, Dieu souffre, Dieu pleure, parce qu'il voit, euh, il se rend compte, il voit que ben, ces créatures sont devenues euh, méchantes, refusant de partager les biens euh, qu'il a donnés à toute l'humanité. Voilà. Regardez cet enfant, il n'a pas de quoi s'alimenter. Et je crois que cette photo a été prise par un photographe sud-africain qui est arrivé dans ce pays et qui est dépassé, qui était dépassé quand il a vu cet enfant dans cet état. Et voilà cet, cet, cet oiseau de proie qui est là en attente pour pouvoir, mes amis, chasser cet enfant complètement démuni, sans force, épuisé, fatigué, affamé, assoiffé. Mes amis, vous qui suivez cette émission, je vous pose une question avez-vous des enfants Avez-vous des enfants Combien d'enfants avez-vous Et combien avez-vous sur le compte bancaire Chrétien, pasteur, apôtres, prophète Je crois que l'ouverture du troisième saut doit nous interpeller. Véritablement, cet enfant abandonné seul, et là, il marche à quatre pattes pour chercher à manger et arrivé à cet endroit, il était épuisé, dépassé, dépité, désolé, et on attendait sa mort. Et encore là, je ne dis pas que oui, c'est nous qui allons finir, c'est vous qui allez finir la misère du monde, mais je dis simplement qu'il faut prendre conscience. Nous devons prendre conscience qu'il y a vraiment des besoins. Prêcher Jésus-Christ, c'est aussi pratiquer l'amour. Euh, 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 mes amis, euh, c'est manifester cet amour justement par des actions concrètes. Comme Jean nous dit, n'aimez pas en parole avec les, les lèvres, mais, avec, euh, euh, mais par des actions hein, en vérité, en, avec, des, avec des œuvres. Hein. Voilà, donc... Cette prophétie concernant la famine frappe déjà depuis quelques années, frappe déjà, depuis, mes amis, l'homme est sur terre, mais ça va s'amplifiant. Et selon les statistiques, mes amis, il y a plus de il y a un habitant sur neuf. Nous sommes 7 milliards sur terre. Selon les statistiques de l'ONU, un habitant sur neuf est frappé et concerné par la famine, par la sous alimentation. Un habitant sur neuf, c'est quand même énorme. Et euh, c'est plus de 778 millions de personnes. Vous voyez Donc, ça fait 795 millions de personnes qui souffrent bien sûr de malnutrition, hein, de malnutrition dans le monde, selon le, selon, euh, le FAO. Voilà. Depuis le 1er janvier hein, de cette année, il y a eu 265 hein, euh, 000 morts, 59. Donc plus de 265 000 personnes qui, sont, qui ont trouvé la mort parce qu'elles n'ont pas à manger. Depuis que vous êtes connectés, il y a, vous voyez, ça se défile là. Depuis que nous sommes connectés là, là ça ne fait même pas cinq minutes. Hein, il y a déjà deux personnes qui sont mortes dans le monde. Hein, euh, suite à la malnutrition. Donc, vous voyez, si on, on reste là-dessus encore quelques minutes, vous allez voir que le nombre va augmenter. Le, voilà, donc c'est quand même terrible. Et euh, voilà, donc il euh, et, euh, et, y a vraiment, on voit vraiment que le monde va mal et on ne le dit pas tous, tous les jours, mais de plus en plus, mes amis, des, sou, des problèmes liés à, à... Voilà, ça fait trois personnes, donc ça monte. Vous voyez Ça ne fait même pas... Je veux dire, une minute, hein, depuis qu'on on est sur euh, ce site, il y a Planetoscope, et, et voilà. Donc là, ben, ça, ça, les gens meurent comme ça, meurent, 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 pendant que d'autres ben, s'empiffrent. Hein, euh, voilà. Et quatre personnes, et je me pose la question euh, ok, vous êtes chrétien, ok, vous êtes dans une, dans une assemblée, bien, vous êtes habillé en costume et cravate, vous êtes libre. On ne vous condamne pas, vous faites ce que vous voulez. Mais, mes amis, être chrétien, tous les quatre matins, être en costume et cravate, et euh, prouver aux gens qu'on est quelqu'un, qu'on est roi, qu'on est prince, qu'on est ci, qu'on est ça, l'évangile de la prospérité, croyant en Jésus, vous serez milliardaire, tout ça. Vous voyez comment on a, on a, on a perdu de vue, de vue l'essentiel. Beaucoup ont perdu de vue l'essentiel. Voilà. Et, euh, et ça fait cinq personnes de décédé hein, depuis que le, le, on est connecté sur ce site. Et euh, voilà, je crois que chacun doit faire ce qu'il peut. Chacun doit répondre simplement à l'appel du Seigneur. Ça n'a pas été évident. Ne pensez pas que l'Europe ne sera pas concernée. Toutes les nations seront concernées. Je vous ai dit hier de la part du Seigneur avec la prophétie biblique que nous avons étudiée, notamment l'ouverture de, du deuxième saut, que une guerre. Nous sommes dans la, déjà, mes amis. Un, dans la troisième guerre mondiale, on est dedans avec euh, le, comment dit, une guerre religieuse et, euh, et cette guerre va se prendre de l'ampleur, va toucher toutes les nations et vous ne serez pas épargnés. Ne pensez pas que vous serez épargnés, personne ne sera épargné, mes amis. Toutes les nations seront concernées. Il y aura effectivement cette euh, famine là qui va frapper beaucoup, beaucoup de pays. Et, euh, et euh, donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment, mes amis, se préparer pour le retour du machia et euh, Parce que et le monde va bien sûr mal. Alors, on connaît pas, nous ne connaissons pas le jour du retour de, du Machiavelli. Mais nous voulons simplement vous dire que les signes sont là. Il faut se préparer. Voilà, Il faut sortir un peu pour voir ce qui se passe ici et là. Et, euh, et puis voilà, l'évangile, comme je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas seulement euh, dénoncer, euh, dénoncer les faux pasteurs. On le fait quand on voit vraiment que ces gens dépouillent les, les enfants de Dieu. Mais l'évangile, c'est aussi annoncer les choses qui arrivent, étudier la parole prophétique, pardon, c'est montrer aux gens ce qui se passe dans le monde véritablement, les problèmes auxquels nous faisons tous face en tant qu'humains. L'évangile, c'est de dire à tout le monde, dire aux autorités également, président, roi, riche, pauvre, de leur dire que si vous mourrez sans, sans, sans Dieu, sans Jésus, eh bien, ce n'est pas le salut qui vous attend. Il y a une vie après la mort, la terre va mal, il y a beaucoup d'injustices. Et eh ben, il faut se préparer. L'Évangile, c'est aussi le fait de témoigner de l'amour à son prochain, d'aider son prochain, d'aider également du mieux que l'on peut avec les moyens que Dieu nous donne ceux et celles qui sont dans des souffrances, mes amis, insurmontables, dans des souffrances indescriptibles. Voilà. Donc, c'est aider son frère et sœur. Et ne croyez pas que cette famille ne concerne que les Africains, les Asiatiques, certains Asiatiques et certains euh, Américains du Sud. Et, euh, non, pas du tout. Loin de là. Mais même ici en France. Nous avons des personnes qui dorment dehors, des Français de souche, des, des, des Blancs, des Noirs, des, 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 des jaunes, des Métis, des Maghrébins, qui dorment dehors parce qu'ils n'ont pas de toit, hein, qui se retrouvent sans travail, hein, qui, se, qui, qui ont des grands diplômes, qui ont beaucoup travaillé, qui ont fait du bien peut-être autour d'eux et qui se retrouvent sans rien. Et, euh, et ils doivent aller, mes amis, chercher à, à manger au resto du cœur et ils n'ont pas suffisamment de quoi s'alimenter. Il y a beaucoup de souffrance même. Juste à nos côtés, juste à côté de nous. Hein. Donc euh, euh, voilà, c'est le monde. Tout le monde est concerné. Même dans les pays dits euh, riches et, euh, et, 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 et fortement industrialis, industrialisés, eh il y a aussi des personnes qui, mes amis, n'ont pas, qui ne mangent pas leur faim. Ouais, en France, cela existe. Et on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est une réalité, mes amis, euh, à laquelle beaucoup de Français euh, font face. Voilà. Beaucoup n'ont pas à manger. On a vu des émissions où il y a des femmes d'un certain âge, françaises d'origine, qui peuvent être nos parents, nos grands-parents, et qui se retrouvent, mes amis, sans rien, avec une retraite de misère, et qui n'ont pas à. Euh, ils rien, ces personnes n'ont rien à mettre sous la dent, et, euh, et qui, qui sont obligées parfois de faire les poubelles. Voilà. Il y a des cas comme ça en France, oui, en France, ça existe, mais ça va prendre de l'ampleur hein, dans les nations, mes amis. Voilà, depuis que nous sommes connectés, il y a 11 personnes, mes amis, qui, qui ont trouvé la mort parce que. Voilà, ça c'est pour l'eau, maintenant, donc décès dû à un accès insuffisant hein, à l'eau dans le monde. Hein. Depuis le 1er janvier de cette année, il y a eu près de 1 312 925 personnes qui ont connu la mort hein, suite à, n'est-ce pas, un accès insuffisant à l'eau potable. Un accès à l'eau insuffisant cause 5 millions de décès sur la planète chaque année. 5 millions de personnes qui décèdent chaque année dans le monde parce qu'ils n'ont pas, hein, ces hommes et ces femmes n'ont pas suffisamment d'eau, n'ont pas d'eau potable. Le défaut d'accès à l'eau tue autant que le tabac dans le monde. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Et depuis qu'on est connecté là, regardez 20 personnes. Vous vous rendez compte? 21 personnes. Hein Donc ça fait une minute de connexion. Donc toutes les, toutes, les minutes, hein, chaque, chaque, toutes les minutes, il y a 22 personnes qui décèdent, mes amis, dans le monde. Vous vous rendez compte? Et tout ça, ce pas des choses qu'on nous raconte dans les assemblées. Dans les églises, beaucoup d'églises ne parlent même pas de ces choses, ne connaissent même pas ces choses-là. Vous voyez Parce qu'on nous dit, vous, vous allez être riche, donnez votre dîme, vous allez être béni. Vous voyez eh ben, On ne vous dit pas, mes amis, regardez ce qui se passe dans le monde. Dans quel monde sommes-nous Votre voisin, à vous, il n'a peut-être pas à manger. Vous voyez Et c'est quand même assez paradoxal. Avec ces prophètes de malheur qui sont en costume et cravate à longueur de journée et qui promettent, mes amis, euh, une belle vie euh, à leurs ouailles ou d'autres encore qui sont assis sur leur canapé et qui passent leur temps à aller, mes amis, euh, euh, espionner les gens hein, pour aller raconter des histoires, faire des montages euh, complètement bidons et charnels, des coupages, des montages pour aller faire dire aux gens des choses euh, qu'ils ne, qu ne disaient pas, parce que ça, c'est facile avec tous les montages qu'on peut faire. C'est trop facile ça, et qui ne vont pas devant le Seigneur et qui, bien sûr, passent leur temps à aller fouiller ici et là et qui sont dictés par les gens qui leur donnent des mauvaises informations. Et ça, ce n'est pas l'évangile tout ça, là, mes amis. Ça, c'est la distraction. Il faut qu'on vous parle des vraies choses. Dénoncer le mal, on est d'accord. Dénoncer les faux pasteurs, on est d'accord. On le fait. Mais il faut avertir ces gens avant, comme on essaie de le faire, mais il faut qu'on nous parle des vraies choses, qu'on nous parle de ce qui se passe dans le monde, qu'on nous parle de ce qui va se passer demain, qu'on nous parle de ce qui s'est passé hier, afin que nous tirions, tirions des de, de, de leçons, que nous nous préparions pour, mes amis, l'avenir, pour le retour du Mashiach. Voyez Et nous, chrétiens, nous n'avons rien à craindre, mes amis, euh, le Seigneur nous donne le pain quotidien, mais comme je vous l'ai dit, mes amis, le pain quotidien, c'est d'abord la parole. D'abord les l'évangile, parce que nous avons aussi des frères et sœurs chrétiens qui sont exposés à la famine. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, on voit avec les épiceries solidaires que nous mettons en place pour essayer d'aider le peu que, le, 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 que nous pouvons aider nos frères et sœurs. Pas seulement nos frères et sœurs, mais aider tout le monde, peu importe leurs origines, peu importe leur couleurs, peu importe, mes amis, euh, leurs origines euh, sociales, tout ça. On veut aider notre prochain et leur témoigner l'amour. Jésus-Christ nous a, n'est-ce pas, communiqué, nous a, euh, euh, nous partage. Voilà. Et, euh, et, et, et voilà. Donc c'est terrible de voir, mes amis, en moins de cinq minutes, près de 47 sept personnes qui ont connu la, la mort présentement suite à un manque d'eau. Donc c'est quand même assez. C'est moi, ça me. waouh, waouh. Et nous, on a de l'eau, on ouvre le robinet, on a de l'eau, on néglige l'eau, on voilà, on, enfin, on néglige. On, 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 on utilise mal hein, ces ressources, hein, euh, voilà que nous avons. Quand je vois par exemple au Canada, l'eau, est gratuite tellement qu'il y a de, 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 de sources d'eau là-bas. L'eau, elle est gratuite, elle est aussi propre que de, de l'eau minérale que nous achetons ici et là. Vous, vous rendez compte Et là, on va prendre son bain, on va gaspiller malheureusement, de l'eau, n'importe comment, et on est dans cette abondance, et on ne se rend même plus compte, parce que pour nous, c'est naturel, c'est acquis, on ne se rend pas compte à quel point il y a des coins de la terre où les gens, ben, comme on a pu voir les images avec les enfants, leurs bidons, avec leurs gourdes, tout ça, qui vont chercher de l'eau, mais de l'eau sale, qui boivent de l'eau sale, et ils meurent, ils meurent, ils meurent, ils meurent, ils meurent. Alors que parfois, il faut juste quoi Il faut juste creuser, creuser pour avoir de l'eau, euh, mes amis. Et euh, il faut des appareils qui ne coûtent pas grand chose pour euh, puiser ce, cette eau. Ben, il n'y a pas tout ça, il y a pas tout ça. Et des chrétiens qui peuvent partir en mission dans ces pays pour aller voir ce qui se passe, pour apporter l'amour de Christ, tout simplement par les actions, hein? Pas parler avec des prophéties, visions. Moi je suis tel, tel apôtre, moi c'est prophète, moi je, sais, c est, c est, moi je suis un pasteur, moi je suis un. un, 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 un c'est pas ça l'évangile. C'est aider son prochain. Vous voyez donc euh, ben le troisième cavalier fait beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts. Parce que quand on parle de la famine, forcément, la famine va avec, mes amis, le manque d'accès à l'eau potable. Voilà, Tout ça, ça va ensemble. Vous voyez les dégâts qu'il y a, mes amis, depuis le 1er janvier de cette année Plus d'un plus plus million, près d'un million et demi de personnes qui, ont, qui sont décédées. Voilà. Vous me direz, frère, mais que faire ben Oui, mais prier et prendre conscience de tout ça. Essayer d'aider de, 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 du mieux que l'on peut. Voilà, c'est ça aussi l'évangile se contenter seulement de rester enfermé dans nos bâtiments ou dans, euh, dans vos maisons ou sur vos canapés, mais bougez, voilà, bougez, parlez de ces choses aux, aux uns aux autres et témoignez de l'amour du Seigneur. Ce sont des choses qui doivent arriver, c'est écrit, mais cela ne nous empêche pas, bien sûr, d'essayer de, d'aider les uns et les autres. Voilà, je pense que et euh, vous avez compris un peu l'essentiel. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez nous appeler euh, pour éventuellement nous poser vos questions. Alors, on va rester sur cette image hein, de cet enfant, ce bout de chou, donc ce n'est pas grave. C'est pas, pas grave, les amis. Et euh, voilà, toute cette souffrance qui, euh, qui doivent, euh, toutes ces vidéos, toutes ces pardon, toutes ces images doivent vraiment nous interpeller pour nous montrer à quel point euh, les hommes souffrent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient maghrébins, peu importe. Nous sommes tous humains, vivant sur la même planète. Et, euh, et nous avons besoin, mes amis, euh, et, euh, nous avons besoin, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes disciples de Yeshua, nous, avons, nous sommes appelés à prier pour le monde, à prier pour les uns les autres, à témoigner de l'amour du Seigneur envers ces hommes-là, en étant aussi euh, dans la pratique. Voilà, donc euh, il y en a qui essaient de le faire et j'encourage ce soir personnellement les frères et sœurs qui travaillent dans ce sens. Dans ce sens. Qui ont compris que l'évangile, ce n'est pas s'asseoir dans un bâtiment et écouter un homme prêcher, nous, nous éblouir avec, son, 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 avec la, la rhétorique, et, et, mais qui ont compris qu'ils ils doivent être des acteurs, des acteurs, hein, des acteurs dans leurs assemblées, des acteurs dans leur ville, dans leur pays, et qui vont témoigner l'amour, qui vont aller voir les, 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 des personnes inconverties euh, et qui leur témoignent l'amour de Christ. Voilà. Des gens qui, vous pouvez vous lever un soir comme ça, avec votre argent par exemple. Vous allez, en tant que chrétien, vous allez prendre, je ne sais pas, vous prenez du pain, 5, 6, 7 euh, baguettes, ça ne coûte rien du tout. Et vous faites des sandwiches et vous allez dans la rue, témoin de l'amour du Seigneur aux gens. Voilà. Vous prenez des Bibles, vous distribuez si vous le voulez. amène gloire à Dieu. Alors témoin de l'amour, en prêchant l'évangile et aussi en leur donnant à manger quand on peut. Voilà, on peut faire des actions comme ça, vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour le faire. Faites le autour de vous, faites-le dans vos villes. Voilà. Gloire à Dieu. Encouragez également, j'encourage personnellement, également les frères et ceux qui ouvrent des épiceries solidaires et qui comprennent qu'il bah, faut, mes amis, témoigner de l'amour autrement. Yeshua a prêché l'évangile, il a aussi nourri les gens. Voilà. Voilà, ce ne sont pas seulement les païens qui doivent le faire, ça c'est notre travail à nous d'abord. Voilà, Dieu pense aux orphelins, il pense aux veuves. Il est le père des orphelins et le juge des, 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 des le, le juge ou le défenseur des veuves. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, mon frère. Euh, je t'appelle au sujet de ce soir, en fait, je voudrais savoir euh, aussi euh, pour le troisième cavalier s'il est possible de, de l'interpréter symboliquement comme euh, l'islam. Parce que euh, il y a Mahomet qui est censé être monté euh, au paradis avec un cavalier noir. Et aussi, je voulais savoir si le blé ne pourrait pas être apparenté euh, aux chrétiens qui sont combattus et l'orge aux Israélites. Non, pas, pas du tout. Et euh, le blé, ici, fait plutôt référence vraiment à la nourriture. Hein, et, euh, voilà, c'est le pain quotidien, mais qui n'est pas suffisant. Et, euh, parce que et, euh, dans ce contexte, dans le contexte de ce passage-là, il est question de jugement plutôt. Hein. Voilà, donc Et le blé, euh, c'était une nourriture. Je habiture. voulais juste une petite question. Je voulais demander au sujet d'Apocalypse 14, euh, où, il est demandé, euh, où, où il est signalé que le Fils de l'Homme euh, jette la faucille. Je voudrais savoir, en fait, s'il si, s'agit de l'enlèvement. Euh, la faucille, l'Apocalypse 14, on nous parle de la moisson. Oui. Donc, euh, bah, la moisson... Euh et euh, la moisson, effectivement, ici, euh, peut faire référence à la parabole du blé et de l'ivraie. Hein. C'est-à-dire quand Yeshua va revenir, là, et, euh, pour, pour, pour juger, justement, les nations. Donc, euh, cette euh, période-là est aussi appelée la moisson. Donc, euh, c'est-à-dire la fin du monde ou encore l'achèvement de l'âge actuel. Et, euh, mais il faut comprendre les écritures, là. Il y a plusieurs moissons. Hein, parce que, par exemple, dans Matthieu. Dans, dans Jean pardon, 4, le Seigneur a dit aux apôtres de lever les, les yeux et de regarder les champs qui avaient blanchi parce que la moisson était là. Donc, cette moisson peut représenter aussi, euh, comment dire, euh, dans le contexte de, 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 de la restauration d'Israël, ça peut représenter aussi la conversion d'Israël. Donc, elle représente en fait beaucoup de choses. La prophétie biblique euh, a plusieurs aspects. Hein. Le... Non, c'est ça le danger. Le danger, c'est quand on commence à faire de, de, de on prend une prophétie, on l'interprète de manière particulière. C'est ce que Pierre nous, 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 il nous met en garde par rapport à cette manière d'interpréter la prophétie. D'accord. On me ben, remercie. Voilà, merci. merci. Dieu vous bénisse au revoir. Merci. Voilà, donc. Euh... Vous pouvez toujours nous appeler. Encore quelques minutes qui restent là. Avant la, avant la fin. Dieu est bon. Alors faire du social en oubliant d'annoncer l'évangile, ce n'est pas non plus l'évangile. Donc euh, faire du social, aider son prochain, oui. Hein, tout en leur faisant comprendre que c'est la manifestation de l'amour de Christ. Voilà. voilà. Donc c'est la concrétisation de l'amour de Christ. Et, euh, on ne va pas donner à manger aux gens en leur disant si vous ne vous, ne vous convertissez pas, ben vous n'aurez pas notre pain. Ça, ce n'est pas non plus l'amour. Voilà. Donc, il faut être dans l'équilibre. Gloire à Dieu. D'ailleurs, on verra, hein, donc, euh, dans Apocalypse 13, on nous dit qu'elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur front. Sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nom de, de la bête ou le nombre de son nom. On voit bien que là, dans cette crise, là, mes amis, euh, les gens ne pourront ni acheter ni vendre s'ils n'ont pas la marque de la bête. Donc il va y avoir euh, beaucoup de souffrance. C'est pour ça qu'il faut vraiment se préparer pour le retour du machin. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Je voudrais poser une question par rapport au, à l'entraînement de ce soir euh, au sujet de, de ces enfants qui. Euh ben, du coup, qui, euh, qui souffrent de la famine, qu'en est-il pour eux, qui sont que du coup, ils n'ont pas, pas reçu l'Évangile, comment ça se passe, est-ce qu'ils sont sauvés, ou euh, est-ce qu'ils sont jugés autrement, comment ça se passe, du coup, pour leur salut Je n'ai pas compris la question, vous répéter Alors, ma question était de savoir, en fait, pour tous les enfants qui sont en petit de, de famille, euh, ou bien, ou même des adultes, en fait, qui sont dans cette situation, est-ce qu'en en fait ils sont sauvés, en fait, étant donné que parfois il y en a qui, certainement qui n'ont pas reçu la parole, les bénévoles n'ont pas eu l'occasion de, de choisir ou pas On ne peut, on ne peut être sauvé que si... Euh, on, enfin, que par un, Yeshua. Donc euh, euh, ce n'est pas parce que quelqu'un est mort euh, de la famine qu'il va être sauvé, ce n'est pas ça. Et, euh, sans Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc ça veut dire que toutes les personnes, -là, elles ne sont pas sauvées. Ben, ce, les personnes qui décèdent sans Christ, il n'y a pas de salut pour elles, comme la parole le dit. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. C'est lui qui a le Fils à la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 16. 13 à 16. Voilà. Quelqu'un d'autre veut bien, enfin, si vous voulez appeler Gloire à Dieu. Alors, euh, mes amis, je crois que le Seigneur nous a aidés ce soir. Je crois que ce soir, le Seigneur voulait plus aussi en même temps nous encourager à, à l'amour, à penser aux autres et à, à aider son prochain, à lui faire confiance également donc, euh, faire confiance au Seigneur. On va prendre juste ce dernier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Euh, J'appelais pour poser une question par rapport à l'enseignement d'hier, sur Apocalypse 13, verset 7, je crois, où il est dit que la bête allait lui fouiller, donner, de faire la guerre au sein et de les vaincre. Euh, C'était dans quel contexte est-ce que le premier enlèvement avait déjà eu lieu et euh, si les personnes étaient saintes, comment du coup, ils ont été vaincus OK. On Je va prendre si Jean. Ma question. On va prendre Acte, pardon, chapitre 12. À partir du verset premier. Et en ce même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Humainement parlant, Jacques, l'apôtre, qui a marché avec Jésus-Christ, humainement parlant, il était vaincu par Hérode. Parce qu'il a fait tuer. Parce qu'il a décapité. Ah, d'accord. Donc, vaincre, ça veut dire en fait les tuer. Bien sûr. D'accord. Pas les, les, les vaincre dans le sens de les soumettre à. à de le faire pécher. Euh, non, euh, sur le plan physique. Okay. L'heure vient, le Seigneur disait, où quelqu'un vous tuera, croira, cro en croyant rendre un, euh, un culte à Dieu. Donc c'est dans ce sens-là, c'est la persécution. D'accord. Et du coup, là, dans ce contexte-là, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Non, pas du tout, parce que Jésus n'a jamais dit qu'on allait être aimé par, ce, par les gens de ce monde, très peu. Mais euh, sinon, il a parlé de la persécution. Et il est question aussi, bien sûr, ici, il est aussi question d'Israël en tant que nation qui sera vaincue sur le plan humain par les hommes. Et c'est là que le Seigneur va intervenir en revenant physiquement pour défendre cette nation et mettre fin à la troisième guerre mondiale. D'accord. Merci, c'était juste ça. Voilà, bon courage. Merci, au revoir. Voilà, mes amis, donc je tenais à vous rappeler que ce samedi, nous serons au 24 pour un programme de partage de la parole, de réveil et euh, voilà et euh, et que Dieu soit béni et nous voudrons je voudrais aussi dire en même temps à ceux et celles qui viennent à ce type de programme de plus compter sur le Seigneur et sur nous c'est pas nous qui guérissons c'est pas nous qui chassons les démons c'est le Seigneur qui le fait donc ne cherchez pas forcément ça on le dit mais malheureusement beaucoup ne comprennent toujours pas c'est comme si certains ont toujours besoin d'un gourou et euh, d'un chef et euh, quel qu'il soit euh, D'où qu'ils viennent, il faut plus compter sur le Seigneur. Et quand on prie euh, avec foi, même si on ne vous touche pas, Dieu agit. Hein? Donc je vois des gens qui cherchent à imposer les mains deux ou trois fois, c'est pas correct. Ça, ce n'est pas de la foi. Ça devient de l'idolâtrie, ça devient de la chair. Hein? C'est charnel. Il faut sortir de ces choses-là et faire confiance au Seigneur. Donc ces réunions-là, c'est des réunions de prière, de partage de la parole avec les saints, avec les frères et sœurs. Les inconvertis sont aussi les bienvenus, il n'y a pas de problème. Mais nous voulons faire confiance au Seigneur, nous voulons nous attendre à Dieu et non pas aux hommes. Voilà, donc que Dieu soit béni. Et euh, voilà, donc que Dieu soit béni, nous vous donnons rendez-vous ce samedi à partir de 11h de Paris. On sera en direct pour euh, ce temps de partage, de prière au nom de Yeshua. Amen, au revoir.